Tu peux faire le selfie aussi. Ouais, ben bah, tu vois. Ah oui. Eh oui, on est beau gosse, hein. Qui est-ce qui se lève? Il y a le petit Yann. Il a bien dormi? Oui. Au lever du jour, le soleil est là. C'est pas une heure de montagnard, ça, hein? Il a dit Patchy. C'est pas montagnard, mais. Tout au moins pour ce qui est de se lever le matin. Bon, bonjour les amis. On se retrouve au petit-déj, dans la petite cabane de Patchy, dans les hauteurs, les collines au-dessus de Saint-Michel, avec un magnifique lever de soleil. Et un magnifique Patchy. Bonjour Patchy. Bonjour Thibaut, comment vas-tu? Écoute, j'ai bien dormi. Tout va bien. Je vois que ce paysage t'enchante. Tout à fait, il m'enchante. Agouyaouna, voilà, merci. Il est chaud, Patchy. Voilà. Ça, c'est le vœu du soleil. Tu aurais pu réveiller Yann avec ça ce matin. Ah ben oui, tu aurais parce que là, nous, on chante. Oui. Mais regardez-les à côté, et là. Ça lui aurait donné le sourire. Ils sont pas réveillés encore. Et bonjour les copains. Donc là, on a Yann. Et là, on a Ellie. Bon, on les entendra chanter un peu plus tard. Alors, Patchy, oui. C'est quand ton anniversaire? C'est le 26. Donc tu es scorpion? Scorpion, oui. Le scorpion, c'est une bonne bête. Hein. C'est une bonne bête, oui. Viril, mordant. Si on l'attaque, ça mord. Si on l'attaque pas, c'est très gentil. Alors, les amis, aujourd'hui, on va partir se faire une petite balade avec Patchy. Mais avant ça, on va aller se fabriquer des bâtons de marche. Parce qu'il n'y a pas de bon montagnard sans un bon bâton de marche. Je suis bien d'accord. Ça, c'est le bâton traditionnel. Maquila, ça s'appelle maquila. Une branche de néflier qui met à sécher pendant 2 ans. Alors, il fait un pommeau. Ensuite, le pied pour ne pas que ça s'use. Et dans le pommeau, il y a un engin qui sert à se défendre. Il faut s'en défendre. Ah oui. Et avec ça... On a dit, le scorpion, ça pique. C'est ça. Et alors là, il y a une devise pour la personne qui l'achète. La devise que j'avais choisie. Neve Laguna Bidean. C'est-à-dire, mon compagnon de route. Voilà. On ne va pas fabriquer maquila, on va faire un bâton de marche avec du noisetier qu'on va essayer là-haut de couper. Allez, on y va. Allez, on y va. Et avec ça, il te suffit de marcher maintenant. Est-ce que tu as des conseils maintenant? Est-ce qu'il faut le laisser sécher? Est-ce qu'il faut... Tu marches avec, et il va être comme celui-là. Il va se polir tout doucement, à la main, comme ça. Peut-être émousser le haut, lui enlever un peu les moustaches. Et puis après, c'est bon. Allez, check de bâton. Voilà. Voilà. Allez, bye. Bon alors, Patchy, tu nous amènes où? Mais à Yamendi, là-bas. Tu vois, ah au oui, sommet, oui, oui, là-bas, ah ouais. On va aller au sommet. Voilà, Yamendi. Voilà, c'est le petit sommet d'Yamendi qu'on va grimper. 900 mètres d'altitude, 900, 950 selon le rocher. Beau gosse avec les lunettes, Patchy. Ah oui, c'est déjà mieux. Et si je suis comme ça, est-ce que c'est... Voilà. C'est notre et Léo bien, Ferré. C'est ce qu'on me dit, mais c'est pas tout à fait ça quand même. Alors Patchy, j'ai une question pour toi. Oui. C'est quoi le secret pour rester en forme? Eh bien, de marcher tous les jours. Tous les matins, se faire 3, 4, 5 km. Ah ouais, tu fais ça toi? Oui. Et des fois, je recommence le soir. Et il y a un autre secret aussi. Boire un verre de vin par jour. Et alors, la sieste, un quart d'heure, pas plus. Voilà. Vous avez les secrets maintenant pour pouvoir vous la régaler et gambader dans la montagne jusqu'à 100 ans. Enfin, jusqu'à 100 ans, j'espère jusqu'à 110 ans, même jusqu'à 120 ans. En pleine forme, pour se la régaler. Merci Patchy pour ces petits conseils. Depuis le col, il y a environ 150 mètres de dénivelé, donc c'est pas beaucoup, mais on bouffe tout le pentu d'un coup, quoi. Heureusement, on a une magnifique vue, le soleil, nos bâtons de marche, le Patchy qui a la patate. On est bien.
là, c'est le point le plus haut. Toi, tu viens souvent ici, Patchy ? Ah ben, au moins une fois par mois, sinon deux. Est-ce que tu trouves ça toujours aussi beau ? Ah, moi, c'est comme, c'est toujours une découverte pour moi. Ça fait combien, 70, 80 ans que je vois ce paysage inchangé. C'est le même paysage, toujours aussi beau. Toujours aussi beau, il y a toujours des choses nouvelles à voir, les plissements de terrain, les couleurs qui changent là, avec l'automne, le printemps, l'hiver. C'est, tout est nouveau lorsqu'on vient. Goassen, allez, Père de goût, Yann, on va aller manger. Oui, je commence à avoir faim. Allez. On se retrouve devant la pitance et allez, on va vous chanter une petite devant chanson tous ensemble. Devant la buvette. On est bien, on est attablé, une belle table, on se la régale. C'est la réré. C'est la gaga. C'est la régalade. Et on va chanter une petite chanson pour Patchy. C'est une répétition ou ouais, c'est la générale deux. Les deux en même temps. Les deux en même temps. I am indeed avec Patchy. Il connaît les chemins, les raccourcis. Il croque la vie comme un cabri. Oh Patchy, Patchy, l'enfant du pays. Bravo. Merci Patchy. Et on a merci, même public. Merci à même. Toi. Merci public. Merci à public. Vous. On vous fait plein de bisous et on vous dit à tout bientôt pour une prochaine régalade. Allez, ciao. Ciao. Et t'as mis le chouette.